Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Alors, je regardais si j'avais du son sur mon téléphone. Donc c'est bon, on a du son. Alors, la semaine dernière, on a réalisé un calendrier de perpétuel. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà le calendrier qu'on avait fait la semaine dernière. Voilà celui qu'on avait fait la semaine dernière. Pardon. Ça, c'est celui que j'avais fait. Et celui que j'ai fait la semaine dernière, voilà, qui est terminé. Hein, vous avez ici tous les noms de marqués. Vous avez toutes les informations du mardi, du lundi, du 23, les dates. Voilà, tout est réalisé. Hein, je vous avais promis de vous le montrer. Eh bien, voilà, mon calendrier est terminé. Et c'est celui que j'ai sur mon bureau. Voilà, alors je vais le remettre derrière pour l'instant parce que voilà, pour l'instant je ne peux pas travailler avec vous et avoir en même temps mon calendrier sur la table. Alors, aujourd'hui nous allons réaliser une carte Lego. Alors, une carte Lego, c'est ça. Voilà, une carte Lego. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'étais passionnée des Lego quand j'étais petite. C'était une passion d'avoir ma petite plaquette verte avec mes petits blocs et de faire des montages, des maisons, des immeubles. Je faisais des trucs à hauteur qui n'en finissait plus. Enfin, je passais des heures avec ça. Et à l'époque, on n'avait pas tous les petits détails qu'on a maintenant. On avait vraiment le petit bloc à quatre petits ronds au-dessus, on avait le bloc à six petits ronds, on en avait un qui était un peu allongé, on avait notre plaque verte, et puis c'est tout, quoi. On n'avait pas de fenêtre, on n'avait pas de porte, on n'avait rien de tout ça, on n'avait pas de tour, on n'avait rien de tout ça. Hein, c'était vraiment le béaba, moi, quand je jouais avec ça. Aujourd'hui, ça devient. Bientôt, on pourrait être architecte, rien qu'avec tous les modèles que l'on a et tout ce qu'on peut trouver. Et j'ai vu ici sur une pub hier que ça, les Lego étaient en force, qu'ils arrivaient en force pour Noël. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Donc, Lego est toujours à la mode. Voilà. Alors, donc, on va passer sur mes mains et sans plus attendre, on va mettre en route notre carte. Alors, voilà un peu ce qu'il nous faut. Alors, il nous faut du papier blanc. Moi, j'ai pris du papier vanille. Je suis partie sur du papier vanille. Là, tout à l'heure, je l'avais fait blanc. Là, je suis partie sur du vanille. Il nous faut du verre jardin. Alors, le verre jardin, le voici ici. Attendez, je vous montre. Voilà mon verre jardin. Alors, je l'ai déjà embossé. Hein, vous savez comment je fonctionne. Je l'ai déjà embossé. Alors, il nous faut la plaque. Je ne sais pas si vous l'avez. Une petite plaque où d'un côté, ça fait des petits points. Et de l'autre côté, ça fait des petits trous. Et ça va nous donner l'illusion de la plaque de notre plaque de Lego. Hein, ça donne cette illusion-là. Donc voilà un peu ce qu'il nous faut, du verre jardin. Une chute de Calico Coquelico, c'est le rouge. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des petites chutes que j'ai. Hein, j'ai pas besoin de grandes chutes. Voilà ce que j'ai besoin. Hein, finalement, je vais avoir besoin de ça et de ça. Donc vous voyez, j'ai des petites chutes comme ça. Ensuite, il nous faut du papier tellement safran. Pareil, il va me falloir, vous voyez, deux petites chutes, une petite chute comme ça pour pouvoir faire mes petits Lego. Et enfin, du bleu, hein, deux petits carrés de bleu qu'on va prendre. Donc voilà, moi j'ai mon bleu qui est ici et mon bleu qui est là. Alors c'est du bleu qui me reste depuis très longtemps. Ne me demandez pas son nom, c'est Pointe Pacifique, mais ça n'existe plus. Mais vous prenez un bleu, vous savez que les Lego ont des couleurs vives. Donc n'hésitez pas à prendre des couleurs vives. Sachant que par exemple, le Tellement Safran n'est plus en vente. Hein. Mais prenez des couleurs vives, c'est l'idéal pour faire les Lego. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin en papier. Je vais mettre tout ça sur le côté. Donc, je vous disais qu'il me fallait la plaque à embosser. Donc, avec d'un côté des petits poinçons, hein, des petits trucs. Et puis, de l'autre côté, ça fait des petits trous. Quand on va marquer la carte, eh bien, ça nous fait donc un morceau une plaque de Lego. Ensuite, il me faut ça ici. Moi, je vais garder Joyeux anniversaire, qui est ici. Voilà, donc la plaque pour mettre dessus. Il nous faut de l'encre. Je vais prendre du verre jardin pour rester sur le coloris de mon, sur le coloris de mon, de ma plaque verte. J'ai pris de pinceau brillant, tout simplement parce que j'ai fait ressortir, je sais pas si vous le voyez, mais juste les petits ronds de mes cartes, je les ai fait ressortir avec les paillettes. Je trouvais que ça faisait plus joli. Il nous faut la petite perforatrice 1/2 pouce, qui est ici.
de la colle, une paire de ciseaux. Et il nous faut aussi des petits dimensionnels et tout petits pour pouvoir mettre après derrière nos petits ronds. Voilà. Ah oui, il nous faut aussi la perforatrice étiquette pour pouvoir faire notre étiquette. Voilà. La boutique en ligne, comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez aller commander, vous tapez cette adresse et vous pouvez aller commander sur mon site sans problème. Et vous pouvez aussi aller voir sur le site, hein, il est mis à jour régulièrement. Vous pouvez voir les nouveautés, vous pouvez voir enfin, tout ce qui s'y passe sur Stampin' Up en ce moment que vous pouvez avoir accès. Voilà. Voici l'adresse. Donc, sans plus attendre, on va mettre en route. Alors, je prends mon papier vanille ou mon papier blanc, hein, suivant ce que vous avez. Le massicot et on va couper notre carte. Alors, sur les 29,7, on va prendre 14,85. Et on va plier de l'autre côté à 10,5, la moitié des 21. Vous voyez, la carte va être toute simple. Mais je trouve que c'est les Lego qui vont faire toute la beauté de la carte. Le but, c'est pas d'avoir une carte super compliquée. C'est d'avoir une carte qui va ressortir et qui va donner un style. Qui va donner un style. Alors, je vais prendre. Voilà. Je viens aplatir comme il faut ma carte. Voilà. Alors, donc, je vous disais. Sur cette feuille verte qui va servir de base pour mettre ici. Vous avez 10 cm sur 14,4 et vous allez l'embosser pour pouvoir avoir cet effet de petit point, hein, cet effet de plaque de Lego. Alors, je vais venir la coller tout simplement. Alors, vous allez voir que la carte est très facile à faire. Rapide, non, mais facile, oui. Je viens positionner, voilà, bien centré sur ma carte. Et voilà, ça jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, je vais prendre du papier rouge, comme ceci. Je vais couper un rectangle qui va faire 5 cm sur 3 cm et un carré qui va faire 3 cm sur 3 cm. Donc, 3 cm sur 3. Et 5 sur 3. Je fais ça en rouge. Je fais ça en jaune. Et je fais deux petits carrés en bleu. Un et deux carrés en bleu. Voilà un peu ce que ça va me donner. Une fois que j'ai coupé tous mes petits rectangles et mes petits carrés. Donc je suis partie vraiment sur les couleurs de base. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des coloris qui sont très différents dans les Lego. Hein. Il y a du rose, il y a du violet, il y a du marron. Enfin, il y a toutes les couleurs. Mais moi, je suis restée sur les couleurs classiques. Après, à vous d'adapter avec ce que vous avez comme coloris. Alors, dans mon papier, dans une chute de papier, je vais prendre ma perforatrice. Et je vais venir, pour le petit carré, faire 4 ronds. 1, 2... 3, 4, voilà, et pour le grand, je vais en faire 6, 1, 2, 3, je vais reprendre une chute, 4, 5 et 6, évidemment, il y en a un qui est tombé à terre, ça aurait été trop simple. Voilà. Alors, derrière tous ces petits ronds, on va venir mettre un tout petit dimensionnal. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte chocolat qu'on avait fait ensemble. Hein, il y a pas mal de temps déjà. J'aurais pu vous dire à quelle époque je l'avais fait, la carte chocolat. Mais c'était un peu le même principe. On avait une plaque. On avait des rectangles de chocolat. Enfin, des rectangles de chocolat, des rectangles couleur chocolat. Et on leur avait mis du dimensionnel derrière. Et on était venu représenter, hein, refaire une plaque de chocolat. Mais là, c'est le même principe, à part que c'est des carrés de Lego. C'est exactement le même principe. Alors,
Celui qui n'aime pas les Legos, il est rare, hein, on est bien d'accord. C'est très rare que quelqu'un n'aime pas les Legos. Donc voilà. Alors, on va venir ici tout simplement positionner un petit carré, un petit rond de Lego. Un autre petit rond de Lego. Alors, ce qu'il faut, c'est être régulier dans la pose. Voilà. Pareil ici. Voilà. Et enfin, le dernier. Ici. Voilà. Et regardez, j'ai réalisé un Lego. Aussi simple que ça. Hein. Alors, vous allez faire ça pour vos jaunes et pour vos bleus. On va venir à chaque fois, bah pareil, positionner bien. Voilà. Hop. Alors vous voyez, j'ai commencé par les deux extérieurs. Et ensuite, je mets celui du milieu pour arriver à bien centrer ce que je veux. Pop, hop. Et enfin le dernier. Alors, vous voyez, j'ai pas bien positionné, je l'ai un petit peu avancé de trop. C'est pas grave, je redécolle et je recolle. Voilà. Et voilà mon deuxième Lego en rouge. Je fais exactement la même chose avec le jaune. Ma petite perforatrice. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une, deux, trois et quatre. Voilà pour les jaunes. Pareil, je vais venir positionner le petit dimensionnal. Alors c'est vrai que les petits dimensionnels, je m'en sers très rarement. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très utile. Parce qu'il faut vraiment de la précision derrière le petit bloc. Deuxième, et j'en ai encore un ici. Et voilà. Et pareil, on va venir positionner nos ronds. Simplement sur notre carte. Alors c'est vrai que c'est agréable parce que quelqu'un qui va recevoir une carte Lego, ça peut être un enfant, mais ça peut être un adulte. Vous avez des adultes qui font des collections avec par exemple les collections pompiers, avec les collections. Il y a plein de collections chez les Lego hein, pour les adultes. Et oui, tous ceux qui ont été passionnés quand ils étaient petits sont encore passionnés quand ils sont grands. Et vous pouvez avoir donc des collections comme ça. Je connais une personne, ma filleule, qui a des camions de pompiers en Lego. Elle a une vitrine avec ses camions de pompiers en Lego et c'est magnifique. Ça n'a vraiment plus aucun rapport avec nos petits Lego qu'on avait à l'époque. Hein. Voilà notre bleu. Et enfin ici, on va mettre deux fois un carré de 4. Un, deux, trois et quatre. En voilà un. Et enfin, dans une petite chute ici. Une, deux, trois et quatre. Voilà. Et pareil.
Multidimensionnel. Alors, vous pouvez offrir ça pour un anniversaire, vous pouvez offrir ça pour ce que vous voulez. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est malade et puis qui, pour lui remonter le moral, ou quelque chose qui est passionné par les Lego. Ben voilà, vous lui faites une petite carte de bon rétablissement. Voilà, et donc on revient ici. Finir nos petits morceaux bleus. Alors moi, vous voyez, je suis restée sur les coloris classiques, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, j'aurais pu très bien faire des autres coloris. Je suis restée sur mes coloris classiques. Moi, c'était mes coloris à l'époque, quand j'étais jeune, et bien c'était vraiment nos coloris. On n'avait pas d'autres. On n'avait pas d'autres trucs, et puis c'était passionnant. Je peux vous dire, j'en ai passé des heures, et vous voyez, je suis encore en train de passer du temps avec des Lego. Bon, certes, ceux-là, ils sont faux, mais... Voilà. Comme ceci. Alors, il m'en manque un. J'ai oublié d'en perforer un. Apparemment, j'ai oublié. Je pensais que j'avais tout. Ah non, il est là. Il s'est caché sur le bleu de mon tapis. Voilà. Alors, je voulais vous remercier tous ceux qui se sont abonnés cette semaine encore. Parce que franchement, vous êtes incroyable. On approche les 540 personnes sur le YouTube. Voilà. Alors, je vais mettre un rouge ici, je vais mettre un jaune là. Je vais mettre un rouge ici, je vais mettre un bleu là et un jaune là. Allez, voyez, je vais faire. Voilà, je vais faire le contraire de ce que j'avais fait. Alors attendez, je vais me passer directement sur mes mains. Voilà. Donc ici, je vais venir sur chaque bloc. Vous voyez, avec mon pinceau à paillettes. Je vais venir juste mettre de la paillette sur mes ronds. Juste sur les ronds. Je ne mets pas sur le rectangle, hein, sur le carré ou sur le rectangle. Je vais juste mettre sur les ronds. Voilà. Ça va donner un petit style à ma carte. Voilà. Comme ceci. Ah oui, tout de suite ça change. Hein. Quand vous regardez celui-là qui est avec la paillette et celui-là qui n'en a pas, il n'y a pas photo, quoi, c'est plus joli. Et puis il faut mettre des paillettes dans sa vie. Parce que la vie est quand même un peu triste par moment. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des paillettes. Et moi j'adore les paillettes. J'avais ma maman qui adorait tellement les paillettes que dès qu'elle mettait un habit, il y avait des paillettes. C'était la reine de la paillette. Bon alors je vous rassure, hein, en été, elle ne mettait pas de paillettes. Hein. Mais au moment des fêtes, c'était un vrai sapin de Noël. Elle adorait les paillettes. Et moi, j'aime beaucoup les paillettes aussi. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et enfin, la dernière. Alors, ce pinceau à paillettes, vous pouvez le mettre sur les cartes que vous faites pour rehausser un certain truc. Vous voyez, ça donne tout de suite quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà, on va laisser sécher un tout petit peu. Et on va venir donc mettre tout simplement notre Lego ici. On va faire notre page de Lego, je dirais. Notre assemblage de Lego, voilà, on va venir ici rassembler ça comme ça. On va essayer de mettre ça droit, comme ça. Et puis ici en dessous, voilà, pour qu'il y ait égale distance en haut et en bas. Voilà, ça va faire comme ça. Parfait, allez, on y va. Là, vous mettez de la colle tout simplement. Comme
ceci. Alors, vous voyez, c'est une carte qui va être assez vite à faire. Et on n'a pas, des fois, on dit, oh, j'ai pas le temps, j'ai une carte à faire, j'ai pas le temps. Mais non, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Un peu de coloris. Alors, je vous dis, vous n'avez pas de bleu, vous n'avez pas de rouge, c'est pas grave. Les Lego ont tellement de couleurs au jour d'aujourd'hui qu'on peut, sans problème, faire une carte de Lego avec le coloris qu'on a. Voilà, et puis on va venir l'assembler juste à côté, hein, comme si on faisait un assemblage. Voilà. Le dernier bleu. Regardez ça, si c'est joli. Et vous voyez les paillettes? Regardez si ça rend bien. Ça fait joli comme tout. Moi, j'adore. Ce pinceau à paillettes, c'est un régal. Voilà. Alors, attendez, je vais ramasser toutes mes petits bouts de papier qui traînent pour pas que ça vole. Voilà. Il nous reste à faire notre étiquette. Alors, l'étiquette, ben, je prends tout simplement ma perforatrice. Voilà, ma perforatrice. Je vais prendre du papier vanille. Alors, mon papier vanille, je viens de le poser. Ouf. Où est-ce que je viens de poser mon papier vanille? Ça y est. Que personne ne sent. Roller, roller. C'est pas grave. On va prendre un petit bout, une petite chute quelque part. On a toujours des petites chutes. Allez, je vais prendre cette chute-là. Alors, moi, je vais prendre la grosse étiquette, hein, vraiment la très grosse, donc 2,5 cm. Voilà, tout simplement. Je la passe dans la machine, tout simplement aussi, comme ceci, dans les rayures. Je regarde derrière si tout est bien à égale distance. Si c'est bon, je coupe. Voilà. On va mettre dans ce sens-là. Je vais venir tamponner joyeux anniversaire. Je vais rester dans mon verre jardin pour rappeler le tapis, hein, tout simplement. Voilà. Je viens l'ajuster comme il faut. Hop là! Voilà. Voilà. Tampon nettoyé. Voici ma carte. Et puis ici, je vais calculer à peu près. Ce que je voudrais, c'est quelque chose comme ça. Voilà, que ça me fasse une étiquette comme ça, vous voyez, qui arrive ici comme ça. Donc, je vais venir couper. Où est-ce que j'ai posé mon crayon de bois? Mon crayon de bois, il est là. Voilà. Allez, un petit trait là, un petit trait là. Une paire de ciseaux. Et voilà. Et je vais venir mettre mon étiquette ici, comme ça. Alors, où vous la mettez au rabord du vert, vous la mettez au rabord du blanc. Enfin, du vanille. Moi, je vais la mettre au rebord du vert. Voilà. Donc, pareil, du dimensionnel derrière pour donner du volume à mon texte. Voilà. Et voilà, et on va venir positionner ça ici comme ceci. Et voilà. Alors, voici nos deux cartes. Il y en a une, elle est donc en blanc avec les coloris comme ceci. Et ici, elle est en couleur vanille avec, vous voyez, un petit peu de différence. J'ai changé juste la couleur de la carte. Mais voilà un peu notre carte, ce que ça donne. Et je trouve que c'est très joli.
Et puis ça peut faire une belle carte d'anniversaire. Alors après, ce que vous pouvez faire, je ne l'ai pas fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez réaliser une petite boîte et vous pouvez mettre un petit cadeau dedans. Ça peut être un petit bonbon ou quelque chose. Bon, bien sûr, pour envoyer, ça ne sera pas pratique, mais si vous donnez la carte en main propre, vous pouvez faire une petite boîte avec vos Legos. C'est-à-dire que vous allez faire votre petite boîte classique et vous allez rajouter, par exemple, imaginons que vous faites une boîte qui correspond à un 6 et vous allez rajouter vos 6 petits ronds dessus. Et quand on va l'ouvrir, c'est un Lego avec un petit bonbon dedans. Ça peut être une idée. Voilà, notre carte est terminée. C'était assez rapide, je vous l'avais dit. La semaine prochaine, je crois que c'est une boîte à thé que nous allons réaliser. Une boîte à thé. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais vous reprendre. Voilà. Voilà, notre carte est terminée. Donc, voici ce que nous venons de réaliser en vanille. Et voici ce que j'avais réalisé en blanc. Voilà. Les deux cartes terminées. Voilà. Mais écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Elle était simple. C'est une carte simple. Mais bon, c'est des fois des idées toutes bêtes qui peuvent être sympas. Et puis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Si vous refaites la carte, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Vous avez mon adresse mail dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer la carte que vous avez réalisée. Et puis, si vous souhaitez commander, je vous ai laissé mon adresse pour commander. N'hésitez pas de mon site pour commander. N'hésitez pas à passer commande. Je vous enverrai, vous recevrez vos commandes sans problème et je vous en remercie d'avance. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain rendez-vous. Bye bye !